it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking in this here. Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. Donc j'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Mais en tout cas, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer pour le teint, pour les cheveux, etc. Et on va commencer tout de suite avec le teint. Je vais vous parler du fond de teint Face and Body Foundation Visage et Corps, donc de MAC. Donc voici le petit produit. Donc c'est un produit qui fait 50 ml, qui est assez grand, voilà par rapport à ma main. C'est un produit donc qu'on peut utiliser sur les photoshootings pour le corps, si on a des irrégularités aussi sur les jambes, pour celles qui sont un peu complexées par des veines apparentes ou autres. Moi c'est pas du tout pour ça que je l'utilise, j'utilise pour le visage, mais comme il est conseillé pour le corps aussi, il a la particularité d'être très longue tenue et de ne pas partir avec la chaleur, etc., la transpiration, le sébum, les peaux grasses, etc. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est l'utiliser au printemps parce que j'ai envie de texture liquide mais j'ai pas non plus envie de quelque chose de trop épais puisque à l'arrivée des beaux jours je suis plutôt fond de teint poudre. Donc là c'est un petit on va dire intermédiaire pour la saison actuelle qui est ni trop chaude ni trop froide. Donc je vous conseille la Face and Body pour tout ce qui est légèreté mais longue tenue. Donc vraiment moi je le garde toute la journée, j'ai pas besoin quasiment de repoudrer. Je poudre avec mon favori que je réitère et que je rachète mois après mois. Je vais même pas vous le montrer, enfin je vais pas vous en parler, c'est la Stay Matte, je vous le dis, je les utilise ensemble. Je vais pas m'étaler dessus, mais que vous le sachiez, c'est un produit que je rachète en permanence. Donc ce petit fond de teint liquide, il est assez fluide, je dirais même que c'est presque de l'eau. Donc il est même pas fluide, il est complètement liquide. Et au moment de le travailler, vous êtes un peu obligé d'utiliser une éponge ou un beauty blender. Moi pour l'utiliser, j'ai ce genre de petite éponge à 1,95€, donc c'est des petits triangles chez H&M. J'ai aussi un beauty blender qui vient de chez H&M. Bon là, je l'ai utilisé ce matin, donc il est sale, je suis désolée. À la base, il est rose. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il se lave très difficilement. Donc moi, j'utilise toujours un savon de Marseille pour laver mes produits. Enfin mes pinceaux, mais là je trouve quand même que ça peine à se nettoyer. Je sais qu'il y en a aussi chez Kiko dans le même style. Moi je le mouille juste avant et ensuite je mets un petit peu de Face and Body sur ce côté là. Et hop, je l'applique en tapotant et c'est génial. Alors avec ce produit, ce qui est génial c'est que la couvrance elle est totalement modulable. Vous pouvez très bien l'utiliser en fond de teint très très léger, presque plus léger, enfin c'est beaucoup plus léger même qu'une bébé crème. Donc là il est imperceptible, c'est un peu comme le Vita Lumière Aqua. Mais moi la première fois j'étais très déçue parce que justement j'aime pas tout ce qui est trop léger, j'aime bien couvrir quelques petites imperfections, quelques petites rougeurs et tout. Et du coup j'ai remarqué qu'on pouvait empiler les couches et du coup c'était modulable au niveau de la couvrance. On peut quand même avoir une couvrance assez, assez bonne, je dirais pas forte mais une couvrance moyenne. Pas pour les peaux à imperfection mais les peaux qui ont des petites rougeurs, c'est top. Donc voilà, c'est mon nouveau fond de teint longue tenue du printemps et peut-être un peu des soirs d'été où j'ai envie d'un peu plus de couvrance que simplement une poudre. Donc je vous le recommande. Par contre il coûte dans les 30€, 32€ je crois. Et du coup, bon bah voilà, c'est le hic, sauf qu'il y a 50 ml et dans les autres, il y en a moins quand même. Si je prends un fond de teint au hasard, par exemple, le Revlon, il a 30 ml, donc il a quand même 20 ml de plus qu'un fond de teint lambda. Donc bon, on va dire que ça se vaut au niveau des prix, vu que vous en avez pour un long moment. Je sais que dans les Mac Pro, il y a des bidons encore plus importants. Je fais un gros bisou et je salue la vendeuse Mac du Sephora des Champs-Élysées qui m'a super bien conseillé et qui m'a reconnue. Et du coup, on a papoté un peu, elle me l'a essayé et moi, ma teinte qui a été choisie par elle, elle est parfaite. C'est la C1, donc pour une fois, aucun souci. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut surtout pas l'incliner dans votre rangement parce que, en fait, voilà, ça fuit en fait, là vous pouvez le voir, j'en ai plein dans mon bouchon et en fait c'est tellement liquide, ça s'apparente tellement à de l'eau que dès que c'est incliné ça déborde et du coup je trouve ça un peu dommage au niveau du packaging, il faut vraiment le laisser debout mais sinon je le trouve super, il est en plastique. Alors ensuite pour continuer dans les produits pour le teint, j'ai un blush Begin que j'aime d'amour. Il s'agit du blush Corail tout simplement, le 6209. Donc le voici.
Donc là, vous pouvez vraiment voir la couleur, je pense. C'est un corail qui tire sur les roses. Il est magnifique. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si on le voit correctement. Et au niveau du swatch, voilà comme il se présente. Moi je le trouve juste divin, faut y aller mollo au niveau de l'application. Moi je l'applique avec donc ce pinceau qui est un pinceau Real Techniques spécialement pour le blush, qui l'étale bien, qui le diffuse correctement. Mais je trouve quand même qu'il est tellement pigmenté qu'il faut avoir la main légère. Mais bon, pour moi c'est pas un inconvénient, je trouve que plus c'est pigmenté mieux c'est. Donc pour l'été je pense qu'il va être juste magnifique. Encore un produit teint avec le petit stick Cosmance Purifiant. C'est un stick correcteur teinté qui est à l'acide salicylique et qui du coup est anti-imperfection. Donc moi je l'adore. Il se présente comme ceci. C'est un petit stick comme ça. Hop, couleur chair. Donc vous avez plusieurs couleurs. Moi c'est le beige nu. Et vous pouvez camoufler vos boutons, vos rougeurs. Moi je l'utilise pas en anti-cerne par contre, tout simplement en petite correction. Et du coup ça camoufle et en même temps ça traite vos imperfections, donc ça c'est juste top. Vous pouvez le trouver sur le club des créateurs, enfin qui est maintenant créateur de beauté. Donc un site en ligne où il y a les produits Cosmance. On va continuer avec le maquillage et j'ai encore quelques produits à vous présenter. Alors on va continuer avec un rouge à lèvres. C'est tout simplement celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Shocking Coral 910 de Je m'aime Maybelline. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement à la caméra, mais il se présente comme ceci. C'est un corail néon comme je les aime. Vraiment c'est une des couleurs que j'adore. Vous pouvez le voir sur mes ongles, sur mon haut. Enfin vraiment... je m'en passe pas, ça fait deux saisons, enfin deux étés que je mets ça à chaque fois et que je les ressors. Et j'adore que mon vernis soit aussi corail que mon rouge à lèvres, vraiment j'adore. Ils sont très crémeux et maintenant ils sont vendus en France, donc ça c'est plutôt top. Ils sont très très pigmentés mais ils dessèchent pas du tout les lèvres, donc ça c'est un très très bon point. Ils sentent très bon, ils sentent l'été en fait, les crèmes, le monoï, le tiaré, tout ça. Et il y en a plein d'autres, des plutôt pink, je crois qu'il y a hot pink, rose, enfin bref, il y en a plein de sortes différentes. Ce sont les vivides de chez Je mets Maybelline. Moi j'en suis complètement gaga, je voulais m'en procurer sur eBay mais maintenant c'est disponible en France, donc voilà, c'est juste top. Un autre produit visage et plus particulièrement pour les sourcils de chez Smashbox. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le Brow Tech To Go qui est un crayon gel à sourcils voyage. Pourquoi voyage? Parce qu'en fait il est deux en un. En fait il y a deux côtés, un côté crayon, donc comme ça qu'on tourne et il se présente comme ceci. Donc c'est un marron un peu kaki, parfait pour les brunes, il n'est pas noir parce que je trouve ça horrible de se remplir les sourcils avec du noir. Et on a de l'autre côté un petit gel qui se présente avec une brosse comme un mascara et du coup vous pouvez fixer vos sourcils et moi c'est ce que je fais systématiquement. Donc voilà, mes sourcils je les fais au jardin de Nana, c'est une épilation au fil, je trouve que c'est le mieux. Donc voilà comment ils sont et du coup j'utilise ça pour remplir un peu la petite pointe et la petite queue du sourcil qui est un petit peu plus clairsemée que le début. Je vous déconseille aussi de remplir au début parce que là on vous grille tout de suite et ça fait trop fake. Je ne sais plus si je vous en ai parlé mais vraiment c'est mon eyeliner préféré de tous les temps, donc ça fait des mois que je le réutilise et que je m'en lasse pas. C'est le Koji Dolly Wink. Donc il se présente comme ceci et c'est un eyeliner que j'ai trouvé sur eBay. Donc vous en avez sur eBay UK, eBay US. Donc la pointe, elle est donc c'est comme un feutre, très 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 pointu. Donc vous pouvez faire des traits précis et d'autres plus épais. Et au niveau du swatch, voilà, je pense que c'est assez évocateur. Vous passez une seule fois et vous avez la pigmentation la plus noire et la plus résistante qu'il existe. Donc moi je suis complètement gaga, je vais réitérer l'achat avant que je termine celui-là parce que vraiment je peux pas m'en passer et si un jour il y a une rupture de stock, je sais pas comment je vais faire. Donc il y a une petite bille, vous le secouez, hop, vous ouvrez et c'est avec ça que je fais mon eyeliner et je peux pas m'en passer. Toujours pour les yeux, j'ai deux mascaras qui ne me quittent pas, que j'adore. Alors il y en a un, je crois que je vous en ai parlé, c'est le télescopique donc de L'Oréal Carbon Black. Donc voilà, avec une brosse qui m'étonne, enfin ça m'étonne que je l'aime parce que voilà, c'est du silicone, c'est des picots microscopiques et en fait ça fait des cils de folie. Et j'ai aussi le Big Fake Ultimate de collection, donc que j'ai trouvé chez Boots à Londres et je crois que j'avais oublié de vous le mentionner.
qu'il est super et je l'utilise tout le temps et le combo des deux est exceptionnel. Donc là c'est le genre de brosse mousse costaud que j'adore, limite ça fait ma main. C'est en poil comme ça, comme si c'était en poil naturel, moi j'adore. Une petite brosse super super sympa qui donne beaucoup beaucoup de volume. Celui-là il les étire énormément et celui-là il les épaissit et donne du volume, donc vraiment c'est le top. Ensuite j'avais envie de vous parler de produits visage que j'affectionne vraiment mais énormément, je peux plus m'en passer. C'est des produits que j'utilise pas tous les jours mais quand j'ai besoin d'un coup d'éclat ou d'enlever mes imperfections, donc à certaines périodes du mois, n'est-ce pas? Donc ce sont les produits de chez Karine Herzog. Donc le docteur Herzog c'est quelqu'un qui a fait une gamme au nom de sa femme, donc Karine Herzog. C'est des produits suisses et du coup il a voulu encapsuler dans ses produits de l'oxygène, donc de l'O2, et il y a à l'intérieur de ces produits de l'oxygène. Ils sont assez onéreux mais ils fonctionnent extrêmement extrêmement bien. Moi j'ai choisi la gamme coup d'éclat et du coup il y a trois étapes à faire. Il y a le petit nettoyant, donc qui est très étrange. En fait, si vous connaissez l'homéoplasmine, et ben la texture est exactement similaire. C'est un peu bizarre, un peu velouté, et c'est assez difficile à rincer. C'est pas le produit que je recommande le plus. C'est surtout pour les deux autres de la routine. Donc l'étape 2, donc le mild scrub, donc qui est un gommage visage extraordinaire. Que j'aime plus que tout, à base d'oxygène et de petits cristaux qui exfolient mais super bien. Et ensuite le masque qui va avec, donc pareil de chez Karine Herzog qui apparemment est le coup de cœur de Kate Middleton et le secret de sa belle peau. C'est ce que j'utilise pour éradiquer les boutons, me donner bonne mine instantanément, ça fait un coup d'éclat anti-grise mine. Donc vraiment les produits Karine Herzog je vous les recommande mais 100 fois. Moi je peux plus m'en passer et je réitérerai au niveau de la commande, c'est des produits que je rachèterai sans hésiter. Au niveau des fards à paupières, j'ai encore utilisé ma Naked 2. Donc vraiment c'est un achat, enfin c'est un cadeau plutôt, qu'on m'a fait et qui n'est, enfin que je ne regretterai jamais. Je vous dis franchement foncez. C'est une palette où il y a des tonnes de produits et moi j'utilise particulièrement le fard Pistol, YDK et Tease. Donc Tease qui est un marron glacé, donc un marron froid, sans paillettes, complètement mat. Ensuite j'utilise Pistol qui est plutôt un gris kaki pailleté. Et j'utilise beaucoup aussi YDK qui est très pailleté et qui me fait penser un peu à Saint-Un Taupe. Donc voilà, avec ça vous avez de quoi vous faire une routine exemplaire, un maquillage de malade. Et je vous la recommande encore et encore parce que voilà, c'est un favori qui ne bougera pas, je l'utilise au quotidien. Ensuite un produit cheveux que j'idolâtre, mais vraiment je l'aime trop ce produit. C'est un produit américain qu'il est difficile encore une fois de se procurer, que je me procure sur eBay US. C'est It's a 10 Miracle, donc c'est un produit qui ne se rince pas. Il se présente comme ça, alors il est pareil un peu cher, je crois que ça m'a coûté 20€ à peu près avec les frais de port et tout. Et par contre il fait 10 choses et du coup je l'aime trop. Il est venu livrer avec sa petite boîte, donc ça se présente comme ça et derrière il y a une explication en français de tout ce qu'il fait, donc je vais vous énumérer ça. Ils disent que ça répare les cheveux secs endommagés, ça ajoute de l'éclat, lisse les cheveux, contrôle les frisottis, protège les cheveux, démêle les cheveux, prévient les points de fourchus, empêche la cassure des cheveux, ajoute un aspect soyeux, rehausse volume naturel, vaporisateur défrisant et protecteur thermique. Donc rien que ça, c'est un peu le produit favori, idéal à emmener un peu partout, surtout en voyage parce qu'il fait tout. Donc moi je l'aime surtout pourquoi? Parce que je trouve qu'il me fait briller les cheveux. Il les rend les jours où je... enfin le deuxième jour où je me lave pas les cheveux, j'en respray pour redonner un peu du corps aux cheveux, à mes boucles, les redéfinir. Ça permet à refaire un brushing correct, des boucles bien séparées, ça enlève les frisottis mais complètement. Et surtout ça sent très bon, donc ça c'est un bon point pour moi. Et au-delà du fait que ce soit que ça contrôle les frisottis et que ça les fasse briller, ça les protège aussi de la chaleur et ça prévient le fait que vos cheveux tombent. Donc moi vraiment je m'en spray un peu tout le temps, quand je repars en soirée bam bam bam, le matin bam bam bam, j'en mets tout le temps. Donc It's a 10 Miracle c'est une marque, donc la marque c'est It's a 10 et celui-là c'est le Miracle Leave-In Product. Et du coup il y a toute une gamme, je crois qu'il y a des shampoings et tout. Moi j'ai choisi ça parce que c'est une amie qui
l'utilise et elle a des cheveux magnifiques. Je sais que j'en parle longtemps, mais vraiment, il faut essayer ce produit, il est super. Ce mois-ci, j'ai aussi énormément aimé l'élixir du marabout que j'ai acheté chez Sephora pour une trentaine d'euros, je crois que c'était 36 euros, donc le prix est un petit peu rebutant, j'ai hésité et finalement je suis super contente d'avoir acheté donc ce produit puisque c'est un petit sérum anti-imperfection et anti-âge. Donc moi c'est complètement pour le côté anti-imperfection que je l'ai acheté. Donc c'est un sérum qui s'appelle l'élixir du marabout de Garantia et qui vous permet jour après jour d'avoir une peau plus pure, plus lisse, assainie, avec moins de boutons. Et vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour faire disparaître localement un bouton en le massant pendant 10 secondes. Donc moi j'ai trouvé que c'était très 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 probant, que ça marchait super bien. Il stipule bien que ce n'est pas juste pour les adolescents, que ce n'est pas juste pour combattre l'acné des adolescents, mais aussi pour les adultes qui ont des problèmes hormonaux et qui parfois ont de l'acné également. Donc ça c'est hyper bien, de l'acné par exemple lié au stress, à la pollution, donc aux cycles hormonaux, et que donc la peau elle est sujette aux imperfections, aux petits boutons, aux pores dilatés et aussi à l'excès de sébum. Et donc cette petite fiole va combattre tout ça en mettant 5 gouttes matin et soir. Alors moi j'utilise plutôt le soir parce que ça laisse quand même quelque chose d'un peu collant, donc moi j'aime pas me maquiller après, donc j'utilise plutôt le soir. Dedans il y a de la betterave qui apaise, il y a de l'écorce de peuplier pour ses vertus purifiantes. Il y a aussi des feuilles de cragiru, je sais pas ce que c'est, aux propriétés antioxydantes, de la grenade fermentée pour régénérer la peau et faire disparaître donc les boutons, et des cellules souches de lilas qui permettent de purifier. Et voilà, donc il y a juste 5 gouttes pour avoir un grain de peau beaucoup plus affiné, et moi je trouve ça mais magique. Ce produit il est magique. En 2 fois j'ai vu tout de suite les résultats, donc incroyable. Déjà la première nuit j'ai vu que mes pores étaient beaucoup plus resserrés et la peau plus lumineuse. Et ensuite quand je l'ai utilisé le jour où j'avais des boutons, j'ai vu que le lendemain ils étaient dégonflés pour ceux qui n'étaient pas sortis, et ceux qui étaient percés, miam, ils étaient résorbés et resserrés, donc le lendemain je pouvais me maquiller tranquillement. Donc vraiment je vous conseille ce produit, il est formidable. Voilà les filles, bah écoutez c'est tout pour mes petits favoris, mes coups de cœur du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des petites trouvailles. Et moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plein d'autres choses cool à vous raconter. Je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.